Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, frères et sœurs, avez-vous vu son étoile? Vous qui êtes présents ici en chair ou bien qui nous suivez de loin, avez-vous vu son étoile? En tout cas, nous sommes tous ici rassemblés pour le retrouver, pour l'adorer. Je vous invite à chanter « Je louerai ton amour ». Seigneur, ta parole est première, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Elle est l'étoile qui nous guide vers toi. Au commencement de cette année, au début de notre semaine, en ce jour de ton épiphanie, nous voulons la suivre pour te rencontrer. Éclaire-nous par ton esprit. Guide-nous par ta parole afin que nous puissions trouver le chemin, rejoindre et suivre la vérité, honorer et servir la vie. Oui, viens, Seigneur, bénir et illuminer ce temps de culte que nous te présentons. Amen. Louons Dieu. Mon Jésus, beaucoup de gens se sont réjouis parce qu'ils t'ont cherché et trouvé. Nous nous réjouissons parce que tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Les bergers de Bethléem, à qui les anges sont apparus, étaient dans la joie. Ils ont entendu le message et ils ont vu. Nous sommes aussi joyeux que les bergers, parce que nous avons entendu l'évangile de ta propre bouche et non de celle des anges. Tu as dit « Viens à moi, je vais alléger ton fardeau ». Voilà pourquoi nous sommes aussi joyeux que les bergers de Bethléem. Les mages d'Orient, ils ont vu l'étoile, ils étaient heureux, ils t'ont cherché et t'ont apporté de riches présents. Nous aussi, nous sommes aussi heureux que les mages, car c'est toi qui nous as cherchés. Tu nous as apporté le plus riche présent du monde, ton salut. Voilà pourquoi nous sommes aussi heureux que les mages d'Orient. Marie est bénie. Enfant, tu as habité pendant 40 semaines dans son sein. Nous aussi, nous sommes bénis, tout autant que Marie. Parce que tout au long de notre vie, tu habites dans nos cœurs, toi, le Christ ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes bénis tout autant que Marie, ta mère.
Siméon, le prophète, s'est réjoui et il a chanté « Mes yeux ont vu le Sauveur ». Nous ne t'avons pas vu, mais nous croyons en toi. Et comme tu déclares « Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu », nous atteignons les sommets de la béatitude. Alors je vous invite à chanter « Réjouis-toi, voici ton roi ». Nous prenons les deux premiers couplets. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Père, ton Fils est venu pour être le berger et nous avons suivi d'autres guides. Ton Fils est venu pour être le pain de vie. Et nous n'avons pas eu faim de sa présence. Ton Fils est venu pour être la lumière, et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin, et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie. Aujourd'hui, ton pardon nous arrache à la mort et nous donne de participer à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous lever. Écoute, tu peux bien déposer ta vie telle qu'elle est devant Dieu, mais lui, sache-le, il ne te mesure pas à ta sainteté, à tes résolutions ou à ton histoire. Lui, il te pardonne par grâce. Oui, écoute, avant que tu ne le saches, Dieu s'est déjà le premier approché de toi. Avant que tu ne te tournes vers lui, il s'est depuis longtemps tourné vers toi. Avant que tu ne l'aies cherché, il s'est mis en route à ta rencontre. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, que la moindre parole ne sorte de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Avant que tu ne l'aies nommé Père, depuis longtemps il t'a donné le nom d'enfant parce qu'il est le Seigneur de la grâce. Oui, mon frère, ma sœur, Christ nous relève. Et c'est parce que nous sommes pardonnés et libérés que nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé?
Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, comme les bergers ont entendu l'annonce des anges, que ton esprit ouvre nos oreilles à ta parole. Comme les mages ont vu apparaître une nouvelle étoile, que ton esprit ouvre nos yeux à tes signes. Et comme les bergers et les mages, que ton esprit nous pousse à aller à ta rencontre. Amen. Nous lirons donc dans Matthieu 2, les versets 1 à 12. Ce sont des versets que vous avez déjà entendus lors du culte de Noël, mais vous le verrez, Marie-Pierre préparait quand même quelque chose de bien différent en matière de prédication. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs. Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda: « Où est le Christ qui vient de naître ?» Ils lui répondirent: « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi,
ils partirent et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Et nous chantons le répond 32-28. Toi qui es lumière. Qui vient de naître, le roi des Juifs. Pardon ? Vous dites ? Le roi des Juifs ? Mais le roi n'est-il pas Hérode le Grand, mis sur le trône par les Romains, qui n'a pas hésité à faire assassiner la seule femme qu'il ait aimée, Marianne, ainsi que plusieurs de ses fils, soupçonnés de vouloir le renverser ? Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Parlez plus bas, mes seigneurs. Il se pourrait que ce soit considéré comme crime de lèse-majesté. Je vois que vous venez de bien loin, avec toute une caravane, sans doute porteur de présents. Je puis vous conduire vers sa majesté, mais... Je vous en prie, ne parlez pas de nouveau-né, à moins qu'un successeur ne lui ait été donné, mais je n'en ai point entendu parler. Un nouveau-né secret ? Pardon, mes seigneurs, alors comment vous, qui êtes étranger, pourriez savoir ce que vous avancez là ? Vous avez vu son étoile apparaître en Orient ? Alors vous êtes venu vous prosterner devant lui ? Son étoile ? En êtes-vous sûr ? Nous autres juifs ne lisons guère dans les étoiles. Vous comprenez ? La loi ne nous permet guère que nous pratiquions la magie. Alors comment la naissance de notre roi pourrait-elle être annoncée dans les astres ? Êtes-vous certain de votre interprétation ? Il faut croire assurément que vous l'êtes pour avoir fait toute cette route. Il faut croire assurément qu'il s'agit d'un roi exceptionnel, peut-être même du Messie, car jamais une étoile n'a paru jusqu'à présent pour aucun roi d'Israël. Y compris pour le roi David. Et depuis que la reine de Saba vint apporter des présents au grand roi Salomon, jamais nous ne vîmes équipage arriver de si loin
et en aussi grande pompe. Alors, comment se fait-il que nous-mêmes, juifs de Juda, n'en soyons guère informés? Votre question nous cause un grand trouble. Serions-nous les derniers, membres du peuple élu, à qui le Messie serait annoncé? Comment se fait-il? Frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, les indices pour arriver jusqu'à l'étable de Bethléem, ou plutôt jusqu'à la maison de Joseph, partent du lointain jusqu'au proche. Tout d'abord, il y a l'étoile. L'événement, la naissance du Christ a une dimension cosmique. Il s'agit bien là d'une naissance divine qui est reconnue jusque par les astres. Deuxièmement, les mages. L'apparition de cette étoile est interprétée selon des critères absolument étrangers au judaïsme, à qui Dieu a interdit la divination. La naissance du Christ dépasse les frontières du judaïsme, du peuple hébreu, du peuple élu. Elle dépasse les frontières confessionnelles. Elle a une dimension planétaire. Dans l'évangile de Matthieu, les Juifs refont connaissance avec les Écritures après, à partir de ce que les mages en disent. Mais si toute la ville de Jérusalem est troublée, un seul croit à la possibilité d'une naissance royale. Un seul s'apprête éventuellement à prendre au sérieux ce qu'annoncent les mages. Hérode le grand, le cruel, Hérode le tyran, tremble à l'annonce des mages. Il se sent menacé par un nouveau-né issu du peuple. Alors, il se renseigne. Mais quand, au juste, cette étoile est-elle arrivée? Revenez me voir quand vous l'aurez vue, afin que je puisse, moi aussi, aller l'adorer. Hérode veut savoir. S'il y a des signes, ce n'est pas pour la foi, c'est pour le renseignement. Il veut savoir pour mieux éliminer un éventuel rival. Tandis que scribes et pharisiens ont refermé leur Torah, eux savent. Mais lorsque les mages repartent de Jérusalem pour aller à Bethléem, où, selon les Écritures, le Christ doit naître, ils ne sont accompagnés d'aucune délégation. Ils ne sont pas suivis non plus d'aucun habitant de Jérusalem, qu'il soit scribe, pharisien ou simplement habitant de Jérusalem. Jésus est adoré, reconnu comme roi par des étrangers. Il est possible, probable même, que l'Évangile aujourd'hui soit parfois plus entendu hors de nos églises qu'à l'intérieur, ce que disait déjà Dietrich Bonhoeffer. Ainsi, souvent parlons-nous d'intérieur, d'église, de notre église, d'extérieur de notre église ou du seuil. Ainsi, nous exhortons-nous à annoncer l'Évangile hors des murs de notre temple, dans de futurs bistrots spi, qui pourraient s'appeler chez Théo,
au carrefour de nos villes. Chez Théo. Mais où est Dieu ? M'interpella récemment une paroissienne, affolée par le flot de mauvaises nouvelles nous parvenant par les divers médias. Oui, où est Dieu ? Dans ce monde perdu, dans ce monde chaotique. Dieu est-il encore dans nos églises ? Est-il encore annoncé par nos églises ? La difficulté est de pouvoir discerner encore des signes de la présence de notre roi dans des textes que nous connaissons peut-être un peu trop, comme les scribes et les pharisiens. Que nous connaissons un peu trop pour entendre ou voir des signes qui nous sont donnés. L'évangile de ce jour, je le crois, nous invite peut-être à voir l'Église du Christ avec d'autres yeux et à discerner des indices de la présence du Christ ailleurs que dans nos communautés, parfois un peu trop refermées sur elles-mêmes ou sur ses principes, sur ses rites, sur son savoir, sur sa culture, avec la peur de se perdre, de perdre son identité. Il se paierait même qu'à force, nous puissions oublier que le Christ est vivant. Alors, frères et sœurs, ouvrons grand nos oreilles et nos yeux. Car il se pourrait que nous entendions parler de notre roi par d'autres que nous-mêmes et que nous voyions des traces de son passage dans des contrées inattendues. Oui, je le crois, ce texte nous invite à repasser de la connaissance à la foi. Soyons prêts, car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni même le lieu de sa venue. Il vient, le roi de gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ que Dieu a envoyé dans notre monde pour marcher sur des chemins où personne n'allait plus, pour trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus, pour parler à des hommes et des femmes à qui personne ne parlait plus, pour donner la main là où l'on fermait le poing. Nous croyons en Jésus-Christ
que nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde, auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie. Nous sommes ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre, ses yeux pour regarder les hommes et les femmes, sa bouche pour dire la parole qui relève, ses mains pour apporter la paix. Amen. Et nous chantons « Roi des anges » au 47-13. Il n'y a pas d'autre annonce, donc c'est le moment de l'offrande, sachant que c'est le premier dimanche du mois, donc l'offrande est destinée au diaconat. Et puis je voulais aussi rappeler qu'à la sortie, vous pouvez toujours acheter Parole pour tous auprès de Daniel Gallo, qui se présentera à la sortie. D'accord.
Je vous invite à la prière. À l'aube de l'année nouvelle, nous nous souvenons que le temps vient et passe. Mais toi, Seigneur, tu es et tu demeures. Ton amour et ta fidélité n'ont ni commencement ni fin, car tu es l'origine et le but de notre vie. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent à offrir à toi et à notre prochain. Voilà nos souhaits de nouvel an que toi seul peux exaucer. Alors que tout passe, donne-nous de nous en tenir à ta parole et à elle seule. Permets-nous de faire de la liberté que tu nous donnes les premiers pas de l'année nouvelle. Accorde cette liberté à tous les enfants du monde, jeunes ou vieux, puissants ou humbles, sages ou ignorants, pour que chacun veuille devenir témoin de ce qui subsiste éternellement. Illumine d'une lueur d'éternité tous les lieux où les hommes et les femmes souffrent et agissent, parlent et décident, et où ils sont si facilement portés à oublier que c'est toi le maître du temps. Fais aussi qu'une telle aurore s'infiltre dans les cœurs et dans la vie de nos proches, des pauvres, des abandonnés, des malades, des désespérés. Dieu bon, nous te louons et nous espérons en toi, car nos temps sont dans ta main. Alors, nous réunissons toutes nos prières en t'adressant celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons au 45-06, Ô Jésus, mon frère. Thank you.
Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, frères et sœurs, peut-être que pour rentrer chez nous, nous allons prendre un autre chemin. Peut-être allons-nous discerner un autre chemin. Peut-être trouverons-nous des indices inconnus pour retourner chez nous par un autre chemin. Car chez nous, n'est-ce pas aussi chez notre roi? Alors, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous pouvons chanter le cantique de Siméon.